Et coucou tout le monde, coucou mes petits renardos. On va continuer notre aventure avec Zelda Ocarina of Time. Et je vous ai épargné le retour jusqu'à Dark Link. Alors j'ai su pas au maximum de ma vie, mais on va tester des trucs et on verra bien. Mais Dark Link est chiant à buter. Je crois vraiment que Dark Link c'est un des mini-boss les plus chiants à buter en fait. C'est quoi? Honnêtement... Si je peux lui enlever le max de vie comme ça... Parce que... C'est peut-être pas très legit, mais m'en fout. Il m'attaque pendant que je fais la magie, mais il me fait pas de dégâts pour le coup. Ok, il en a marre. Oh, je l'ai eu. Là, il devient très agressif. Ok. Mais navigue. Allez, je l'ai presque. Je sais que je l'ai presque. M'énerve quand il fait ça. Ah, sérieusement. Et putain, s'il me tue... Je jure que s'il me tue... Je jure que s'il me tue... Je vais péter un câble. Ouh. Faut pas... Je crois qu'il faut pas bouger quand il est sur mon épaule. Faut rien tenter. Ok. Je l'ai eu. Ok, je l'ai eu. Bon, j'ai vidé ma barre de magie, mais au moins je l'ai eu. Et au passage, je vais la retirer, ma barre de magie. Vite. Attendez. Excusez-moi, j'ai mon chat qui fait des conneries. Ok. Et donc on obtient le fameux super grappin. Voilà. Alors. Non. Ok. Je suis con, c'est le chant du temps qu'il faut faire. Ah, c'est le chant du temps qu'il faut faire. Le chant du temps, c'est celui-là. Ok. Ok. Ça nous ouvre un raccourci. Link, prends garde, ne te fais pas engloutir par les tourbillons. D'accord. Ah, et c'est justement ici qu'on va avoir donc les fameux coffres. Ah, attendez, parce qu'il y a une sculpture là. Hop, voilà. Il faudra d'ailleurs récupérer la sculpture là qu'on... qu'on voyait juste avant d'aller vers Dark Link. Et hop. Aïe, oh, ah! Non! Non, la fée! Allez! Non, il y avait une fée qui se baladait, c'est pas juste! Ah! Dommage. Bon. Attendez, parce que là, je suis en train de faire n'importe quoi. Mais... Voilà! Ah! Bon, c'est pas grave. Ok. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Mon avatar qui a disparu. Attendez. Ah, je sais ce qui s'est passé. Ah là 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 là. Attendez. Aïe aïe aïe. Il y a des trucs comme ça quelquefois, je vous jure. Voilà, comme ça, vous avez droit à ça en direct. Donc, je recommence. Qu'est-ce qu'il fait encore l'autre? Génial, c'est ça qui l'a fait tomber. Bon, attendez. Tais-toi, va-t'en. Ok. Alors évidemment ici il y a un gros courant, il y a un grand courant. Allez hop, voilà. Ok. Allez, il est temps de finir ce donjon maintenant. Je me doutais bien que je devrais... En fait, je me doutais bien que je devrais le faire en deux fois ce donjon. Je m'y attendais un petit peu pour le coup. Hop, voilà. Rien qu'à cause de Darkling, je savais bien que ça arriverait de le faire en deux fois. Ah mais on s'en fout en fait, on est l'eau est au maximum. Je n'ai toujours pas la grande clé au passage. Donc... des trucs à faire. Pour choper la grande clé, j'ai encore des trucs à faire. Ah, je sais. J'étais allée par là? Je sais plus. J'ai dû aller par là, je crois. Ah! Oui, il me semble que je suis allée par là. Ouais. Donc il faut que je baisse la... Ok, il faut encore que je baisse le niveau d'eau. Donc pour baisser le niveau d'eau... C'est par là. toujours ce passage par là. Ok, c'est ça. Et j'ai la clé, donc c'est bon, on peut y aller. Hop. Ok. Ok, on y va. Alors, hop. Tout va bien. C'est par là qu'il faut aller. Hop. Ok. Au final, le seul passage qui m'aura fait chier dans le temple de l'eau, c'est Dark Link. Hein. On remarquera quand même que au niveau des énigmes et tout ça, certes j'ai dû refaire une ou deux fois le niveau de l'eau, mais j'ai pas galéré tant que ça. Hein. Et j'avais pas de solution. Au cas où on se poserait la question. Même entre les deux vidéos, j'avais pas de solution, j'ai tout fait de mémoire. Allez. Hop, hop. Allez. Alors déjà on va se débarrasser de cela. Zut. Ok. Et ensuite, un passage qui va être chiant, c'est celui-là. Ok. Même besoin du troisième. Est-ce que tu l'adorais là? Et voilà. Alors... Oh non, mais putain, mais t'es sérieux? Mais t'es sérieux? Bon, ok, je retire ce que je viens de dire. Il me manque une putain de clé, fais chier! Bordel! Je retire ce que je viens de dire. Où est le coffre qui me manque? Il est au premier étage. Génial. Bon. Ah, le grand classique. Les grains classiques. Bon, d'ailleurs, pour ça, je semblais penser que j'ai une sculpture à récupérer ici. Non, c'est l'autre. C'est l'inverse. Arrête de faire l'endos, toi, derrière. Pardon. Alors. Voilà. D'ailleurs, au passage, si je regarde la carte... Non, on n'a pas encore la dernière sculpture là. D'accord. Il nous manque... Ah oui, bah oui, je sais où elle est la dernière sculpture là. Je sais où elle est la dernière sculpture là. Il faudra d'ailleurs que j'aille la récupérer. Alors normalement... C'est par là. Ah bah oui, c'est ça. Ok, dans l'autre sens. What? Et mon coffre, il est où? Ah Q. Voilà. Ah là 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 là, je fais n'importe quoi. Allez hop. Donc au passage, il faudrait que j'aille chercher la dernière sculpture là. Pour ça, il faut que je fasse monter encore une fois le niveau de l'eau. C'était par où encore qu'on faisait monter une troisième fois le niveau de l'eau? Par là. Comme ça, j'ai cherché ma dernière sculpture là et puis on s'occupe du reste. Hop. Ouais, t'es con de tomber maintenant. Hop. Eh, il serait quand même bien de finir le donjon dans cette vidéo aussi, hein, parce que 2 vidéos pour faire un donjon, vraiment. Ce sera sûrement pas le seul à mon avis. Hein. Il y aura sûrement un autre donjon que je devrais faire en 2 fois. Mais bon. C'est là. Voilà, et donc si je regarde ma carte, voilà, c'était bel et bien ma dernière, on peut y aller. Donc, maintenant, où se trouvait ma... Ah oui, au rez-de-chaussée, c'est ça. Donc... je sais pas si j'ai encore besoin de baisser le niveau de l'eau. Peut-être pas. Ouais, non, peut-être pas en fait, ça va. On va pas s'enquiquiner à rebaisser le niveau de l'eau. Hop! Alors, tac. À côté, dommage. Oh, vous savez quoi, on va y aller en mode de l'eau, tant pis. Hein. En fait, je viens de remarquer. Hop! Chien! L'avantage c'est que ça c'est fait, donc on y va, on continue. Hop, voilà. Ok. Ah, j'ai pas pour ça tuer eux, c'est pas grave. On est passé, c'est le principal. Ok. Ok. On y est. J'ai préparé un flacon, on sait jamais avec un peu de chance dans les vases à côté il y aura une fée, qui sait. Ben voilà, hop. Est-ce qu'on préparait pas un autre flacon? On sait jamais. Hop, et voilà. Ok. Ok, allez. Il n'y a plus qu'à aller se taper le... il n'y a plus qu'à aller se faire le boss. Et comme je n'ai pas baissé le niveau de l'eau, ben, on pourrait y aller directement. Ah non, non, il faut d'abord... non, c'est bon. Ok, allez. On remonte tout en haut. Et on va se faire le boss. Alors le boss, c'est par là en fait. Ah oui, je me souviens de ce truc. Ça c'est vraiment... très chiant. Allez, passe. C'est bon. C'est bon, on est passé. Ça, c'est vraiment très chiant. Allez, hop. Alors, un boss qui va être une blague comparé à Dark Link. Hein. Link, attention, l'eau n'est pas normale. Ah bon? Vraiment, Darkling, c'est l'un des mini-boss. Enfin, c'est même le mini-boss le plus chiant à buter, en fait. Je crois même qu'il est plus chiant qu'un boss. Vraiment. Mais bon. C'est Darkling, quoi. Morpha, amibe aquatique géante. Moi je reste pas au centre, perso. Où est-elle ? Évidemment, ce serait bien de l'amener. Sur la terre ferme. Allez! Mais. Non mais. Ah! Merde. J'étais pas bien placée. Ah! Fallait que ça arrive. Fallait que ça arrive. Hé, hey, lâche-moi! Mais lâche-moi! C'est un petit peu long, je suis désolée. Allez. Ah putain. Lâche-moi! Qu'est-ce qu'il est? Mais... ben voilà. Commencez à me dire peut-être qu'il va crever, ben voilà. Ah là 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 là. Et ça y est, enfin. 2 vidéos pour faire le temple de l'eau. Même si j'ai pas si galéré avec ça, bon, j'ai surtout cherché après les clés, mais bon. Le quart de cœur, le réceptacle, il est... je crois que le réceptacle il est sur un des piliers. Bon, alors en plus il faut... le réceptacle il doit être sur l'un des piliers, je pense. Non? Est-ce qu'il est le réceptacle? Ah, il est là, ok. Je serais content de partir sans réceptacle. Allez! Link, tu es bien digne d'être mon futur époux. Le domaine Zora et son peuple vont enfin se libérer des glaces. Comme récompense, je t'offre mon amour éternel. Même si ce n'est pas possible pour le moment. En tant que sage de l'eau, mon devoir est d'assurer la garde du temple de l'eau. Le tien est de chercher la princesse... comment... Zelda? Tu ne peux rien me cacher. La princesse Zelda est en vie, je le sens, ne te décourage pas. Ta quête de justice et de paix sera victorieuse, j'en suis sûre. Prends ce médaillon et garde-le précieusement. Vous recevez le médaillon de l'eau. Ruto se révèle être un des sages et vous confie son pouvoir. Oui! Dis bien merci à Sheik de ma part. Ok. Les flots s'élèvent et le mal se dissout. Tu as triomphé, Link. Ruto veut me remercier. Je vois. C'est aussi pour elle que nous devons ramener la paix et joie en Hyrule. Regarde, Link. La bête maléfique a péri. Toi et la princesse Ruto avez accompli cet acte héroïque. Les eaux pures et claires remplissent à nouveau ce paisible lac. A pu. A pu. Alors, je crois qu'on est au matin, malheureusement il est peut-être un petit peu tard pour le coup. Une première lueur de l'eau, ouais, je crois malheureusement qu'il est un peu tard. Alors ce qu'on va faire pour le coup alors c'est le chant du soleil. Et là, on va attendre que... on va attendre que les premières lueurs de l'aube s'amènent. Donc c'est ça. Quand les premières lueurs de l'aube se reflèteront sur le lac, tire vers l'astre du matin. Donc là, on va attendre que le soleil se lève. Et on terminera la vidéo sur ça. Il n'y a pas une sculpture là-dehors, là-bas? Ou je l'ai déjà vue. Ou alors elle était peut-être quand j'étais enfant. Je l'entends pas, donc ça doit être ça. Ouais. Ok. Regardez, le ciel commence déjà à prendre d'une couleur plus rouge. Attention. Attention. Non? Ah voilà, quand même. Ah, quand même. Voilà, on va récupérer ça. Et puis on s'arrête là. Voilà, nous obtenons donc les flèches de feu. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la, faites-la connaître. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Twitch. Venez rejoindre la communauté. Et moi je vous dis, ciao tout le monde.